Alors moi, j'occupe le poste de responsable recrutement et j'ai la chance d'être pluridisciplinaire sur ma fonction puisque je suis également RH généraliste et j'accompagne et je suis la population Commerce France de leur entrée jusqu'à leur évolution de carrière, mais également évidemment jusqu'à leur sortie de l'entreprise. Alors oui, énormément d'évolution depuis mon arrivée, d'un point de vue évolution personnelle déjà, puisque moi j'ai démarré ma carrière chez FI il y a presque 6 ans maintenant, en tant que chargée de recrutement en alternance, et je suis aujourd'hui responsable de mon pôle. FI Group également a vraiment évolué d'un point de vue business, stratégie, on s'est structuré, diversifié, et on a également réellement gagné en maturité. Les différentes femmes qui sont passées à la direction ont justement œuvré au changement et puis on a fait évoluer les mentalités et on a fait surtout bouger les lignes. Depuis 2021, nous mettons en place des plans d'action concernant l'égalité homme-femme. Nous les révisons régulièrement et nous prenons des engagements par rapport à cela. Il existe également un index légal avec un système d'indices et de notations sur lequel nous devons mettre en place des actions correctives si nécessaire. Nous communiquons d'ailleurs chaque année sur nos résultats en interne, également en externe, et puis nous les publions auprès de l'administration. Aujourd'hui, moi j'ai plutôt un regard de fierté. Le groupe FI à l'échelle internationale est piloté notamment par une femme. Et le groupe en général est majoritairement composé de femmes. Donc pour moi, c'est un vrai signal positif et puis je me sens bien et à ma place. Alors pour moi, le leadership, il est surtout et avant tout personnel. C'est un travail quotidien, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et notre leadership doit nous ressembler, être en accord avec nos valeurs et puis en lien avec les enjeux de l'entreprise et de la société. Alors moi, j'aurais voulu résumer FI en 3 hashtags. Je dirais le partage, la solidarité et puis l'innovation.